Une soirée, une rencontre, cette année au profit de la Fondation Princesse Charlène, fondation qui œuvre pour aider les enfants en difficulté à travers le monde. Deux équipes s'affrontent, celle du Prince Albert II, la Star Team, composée de célébrités du monde du sport, comme les joueurs de foot Sabrina Mouchi, José Cobos, Sonny Anderson ou le Ballon d'Or Pavel Nedved. En face, l'équipe des pilotes avec entre autres Felipe Massa, Michael Schumacher, Vitaly Petrov ou Sergio Pérez. Tous ces joueurs ont offert 90 minutes de spectacle. Est-ce pour eux une rencontre acharnée, un véritable combat ou au contraire, juste le plaisir de se retrouver? Pour moi, c'est seulement pour les fans et je suis très content de ce soir c'est ici pour une soirée de bénéficence. Voilà, et c'est très important, mais ce n'est pas mon sport, le calcio. C'est pour s'amuser. Ce qu'il fallait faire dans notre carrière, on l'a déjà fait, c'est pour faire plaisir. C'est une bonne ambiance, c'est sympa. C'est avant tout le plaisir de se retrouver entre amis, entre gens du sport, qui est certains grands champions qui habitent la principauté, et puis bien sûr les pilotes de Formule 1 qui sont à Monaco pour le week-end que vous savez. Mais c'est devenu une belle tradition, c'est bien sûr toujours pour un but caritatif, et là c'est pour la fondation de la Princesse Charlène. Donc tout le monde a à cœur de participer à cette belle fête du sport et de l'amitié, et je crois que c'est encore une belle occasion aujourd'hui. Les anciens joueurs de foot tels que Sabrina Mouchi, Pavel Nedved ou Sonny Anderson ont certainement levé le pied de l'accélérateur au profit du spectacle, contrairement aux pilotes dimanche prochain. Le résultat n'a aucune importance. Sachez quand même que le match s'est terminé par un nul, 2 buts partout.